Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4. J'étais en train de me poser la question sur l'opportunité de cette guerre là contre Brunswick et tous ses alliés. Je crois que je vais me lancer, hein. De toute façon j'ai déjà mis la maintenance militaire à fond. Tous ces gens n'ont pas de navire, donc je suis pas obligé de rentrer mes navires au port. Bah en fait je pense que je suis pas mal. Ce qui m'inquiète, c'est un peu la bohème, j'avoue. Pourquoi sont-ils toujours aussi excités contre moi? Puissance de l'ensemble des dépendances par rapport à celle de... Là, ils ont beaucoup d'armées, je comprends pas. Placer un parent sur le trône. Alors, je pense que placer un parent sur le trône, ça améliore beaucoup nos relations. On sera même dynastie. Mais par contre, ça augmente encore le... l'envie de liberté. Mais après, à long terme, ça pourrait être intéressant. Puisque ça améliore nos relations. Confiance, opinion. Ouais, opinion, on pourrait être à plus 20, on est qu'à plus 8,9. Bon, la réputation, ça c'est normal. Même dynastie, c'est moins 5. Mariage royal, c'est moins 5. Ouais, je pourrais peut-être... je vais essayer ça. Ça va pas leur plaire pendant un temps. Mais ceci dit, ils sont déjà à plus 100. Donc, qu'y a-t-il de pire que plus 100? On peut pas faire pire. Hein, donc, Voilà, donc maintenant, on va avoir un petit bonus de relation. Ça va peut-être même augmenter notre confiance. Pas vraiment. Mais je pense que sur la durée, c'est plus intéressant. Ok, bah je crois que je suis parti pour ma petite guerre là. Honnêtement, ça va être rapide. On va déclarer la guerre à Brunswick. Je dis ça, mais ouais, je prends l'impérialisme. Ce que je vais faire avant... Non. Je vais faire quelque chose. Je vais lancer des revendications sur toutes les nations que je vais occuper, conquérir même. La plus grosse, c'est laquelle? Celle-là, elle fait 10. Celle-là, elle fait 25. 24. Putain, il y a du gros. Hein. Je pense que c'est la Carinthie la plus grosse. Ok. Là, eux, j'ai pas envie... Alors, par contre, leurs alliés, il y a Clèves. D'accord. Eux, il y a la France. Putain. Et eux, il y a la Grande-Bretagne. Ok. Donc, en fait, je peux mettre Clèves. Clèves, c'est où? Ah, Clèves, c'est là. Ah, mais je crois pas qu'ils sont... Ah, merde, il n'y a pas S dans le... Merde, je pensais qu'il y avait Ace, honnêtement. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vassaliser Clèves. Déclarer la guerre. L'Autriche va aller suivre. Peu importe. Sauf que l'Autriche va se retrouver en co-belligérant. Ah, ça, c'est chiant. Ils vont appeler la Grande-Bretagne avec eux, quoi. Ah, c'est lourd à chaque fois. C'est très très lourd à chaque fois après pour obtenir une paix séparée. Et puis en plus à chaque fois il faut que je me réallie avec la Grande-Bretagne quoi. C'est... Ah oh, c'est lourd, sérieux. Bah j'ai pas le choix hein. De toute façon. Ouais c'est parti. Clèves. Est-ce qu'ils ont des alliés? Bavière, Brunswick. Ace. Tiens, bah, je vais entraîner tout le monde dans la guerre. Je vais mettre Clèves en co-belligérant. Comme ça, on aura tout le monde à la fois. Et je m'en fous. Ça me permettra de faire moins de guerre. De tout régler d'un coup. Alors, du coup, il faut que j'aille sur Clèves.
Est-ce que je prends un leader en plus? J'en ai pas vraiment besoin. Je diminue la vitesse, déjà. Je vais aller occuper Clève. Alors par contre, contre qui je me retrouve en guerre là? Ouais, il y a bien l'Autriche. Je suis obligé de prendre un leader. Ah, il est bien équilibré celui-là. On va dire que ça fera l'affaire. Ah putain, j'en perds un direct. Je suis obligé d'en reprendre un autre. Ouais, ça coûte cher, hein. Ouais, il est un peu pareil. Ah bah c'est bon, ils font le siège pour moi. Alors du coup, comment je fais moi? Ok, ça c'est fait. Je vais m'occuper des Bavarois qui sont là. Là, je vais faire le siège plutôt de cette forteresse-là. Je vais ramener des troupes en plus. J'ai oublié la conversion. Donc là, je me retrouve en guerre avec plein de petites nations. Sans aucun intérêt. Et il y a l'Angleterre. Ça, ça m'embête un peu parce que du coup, la paix va être plus dure à obtenir, plus longue. Ça va être dur de les vassaliser avec l'Angleterre présente. Ça, c'est toujours pénible. Mais pendant ce temps-là, je vais vassaliser toutes les autres nations. Tout autour. C'est-à-dire Clèves, je vais le donner à Hanovre. Brunswick, je vais... Pff, ah, du coup, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais pas tout simplement annexer Ace, là, plutôt que de le vassaliser? Bon, on verra. De toute façon, j'ai le temps de réfléchir. Putain, 98, il faudrait absolument que je fasse un blocus, en fait. Je vais réparer un peu mes navires. Ah, je suis déjà à 35 sur la Bavière. Par contre, l'Autriche, ça peut être la même chose. Là, je suis obligé d'attendre quand même que mes navires soient réparés au maximum. Ok, la Bavière, c'est fini pour elle. Disparition donc de l'avant-dernier électeur. Demander la paix. Annexion. Ah, j'ai pas fait ma revendication. Elle est pas finie. Je vais l'attendre. Je suis pas pressé. C'est juste qu'elle va être super longue, quoi, j'ai l'impression. Ils sont osés, les Autrichiens, quand même, à m'occuper une province comme ça. Elle va prendre 4 ans, la revendication, quoi. C'est pas gagné, hein. Je suis pas sûr qu'on puisse attendre autant de temps, honnêtement. Il y a de l'abus, quoi. Ouais, ça va me prendre toute la guerre, je crois. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, là je vais y aller. Il a que un... En fait, il a aucun heavy, donc je pense que j'ai même pas besoin de réparer au maximum. Alors, ça m'embête cette histoire de la Bavière. Bon, remarque, 3 ans, hein, là ça s'est vite passé. Et évidemment, ils vont me demander la paix tous les 6 jours, mais malheureusement, je peux pas trop leur accorder. Corruption. Et merde, 3 d'inflation, je peux, puisque j'ai la... Doctrine qui baisse mon inflation.
Ouais, j'ai perdu un conseiller. Discipline, toujours bon à prendre. J'ai l'impression que je perds beaucoup d'hommes quand même. Là, je suis à moins 45 000. Ok, j'ai pas perdu de navire. J'en ai peut-être même gagné un, je crois. Là, je suis avec moins 42 000. Je perds 3 000 hommes par mois, grosso modo. Il va vraiment falloir limiter les sièges au maximum. J'aimerais bien finir celui-là, par exemple. Ouais, j'aimerais bien finir celui-là. Ce sera un premier pas. Ok, donc Clèves, ça va pas poser le même problème que la Bavière. De toute façon, je peux pas avoir de revendication. Donc je vais donner ça à Hanovre. Et on va tout de suite discuter. C'était un petit peu histoire de faire du ménage. Merde, il veut pas. On est à zéro là, faut peut-être que j'attende un mois. Bon, on va revoir ça le mois prochain. Du coup, un petit truc là, est-ce que Hanovre continue à être intégré ou pas là? Ah, ça avance bien. Mais du coup, faudrait pas qu'ils aient fini de. Faudrait pas que je les annexe avant que Clèves soit légitimé. Et ça, il veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Maintenant, ouais, maintenant ils veulent. Je crois que c'est eux qui avaient pris la province ici, peut-être. Alors, donc, Clèves cède Clèves à Hanovre, voilà. Ça, c'est parfait. Ils ne négocient qu'en leur nom, j'espère. Ouais. Un peu d'argent, je suis un peu dans le besoin là. Ok. Donc ça c'est parfait. Première paix. Ensuite, la prochaine, j'espère que ce sera Brunswick. Je vais en prendre deux pour moi, je vais en donner une à Hanovre. Ce sera parfait. Bon, j'en ai marre de jouer au chat et à la souris avec les. Avec l'armée autrichienne qui a 1000 hommes là. C'est ridicule. Je crois que je vais aller chercher. Voilà, on n'en parlera plus. Ils ont plus d'armée. Serbie se convertit à la foi protestante. Bon, ça c'est pas très grave. On corrigera ça un petit rapidement dans le futur. C'est le premier fort de niveau 9 que je vois. C'est ce qui explique la complexité de la prise de ce fort. Ça c'est bien. Ça va être compliqué, moins 84 là, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pareil, celui-là il est gros, c'est aussi un score 9. Ça va pas accélérer mes affaires. Et malgré le fait que j'ai des navires, hein, ça. Ça m'aide un peu, mais ce qu'il me faudrait, c'est un militaire avec une stat en siège. Ah, lui, il a 0. En fait, j'ai même pas de leader. Lui, il a 0. Je crois que j'en ai pas, de toute façon. Lui, il a 1. On va échanger, quand même. On ne sait jamais. Je pourrais mettre les deux, tant pis pour l'attrition. Je pourrais enlever la cavalerie, par exemple, ça me ferait moins d'attrition, mais honnêtement, j'ai la flemme. 63. Par contre, j'ai 5% d'attrition.
Ça fait beaucoup. Hein. Je vais un peu arranger ça. Ici, je vais enlever 18 000 hommes. Ici, pareil. Je pense quand même que c'est plus raisonnable. Bon, là, j'en ai enlevé un peu trop, peut-être. Pourquoi il vient tout d'un coup, là? Sérieux, je me fais exprès de venir là pour avoir moins d'attrition. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Il vient avec nous. Il est complètement con, lui. Bon, j'espère que ça va accélérer le siège. Ici, moins 28. Là, par contre, ça a avancé un petit peu. Moins 21, ouais. Bon, ça va le faire. La Bavière, on s'en fout. Ouais, ça, c'est bien. Alors, est-ce que l'Autriche céderait tout de suite? Honnêtement, ça m'étonnerait. Sur l'annexion totale, il va falloir... Putain, il va falloir aller un peu plus loin. Ouais, pour l'instant, il n'en est pas question, hein. Ça viendra. Là, il faut absolument les faire disparaître, hein. Ce qui serait bien, c'est que je fasse un 14 pour que je détruise les murs et après, à la rigueur, je donne l'assaut. Mais il faut faire un 14, quoi, pour détruire les murs. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est mort. Là, on est à moins 7, ça devient bon. Est-ce que j'ai déjà ma capacité de siège, là? Ah non, je l'ai pas. Il me manque encore 54 points. C'est bête parce que... En fait, ça réduit, si mes souvenirs sont bons, ça réduit le temps d'attente, le temps entre deux cycles. Et 20%, c'est quand même assez énorme, en fait. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, je vais prendre cette science qui était bien en retard. Ouais, de toute façon, j'aurais pas une meilleure remise. Le Portugal me viendrait en aide. On va dire que ça me sert pas à grand chose. J'ai bien envie d'accélérer le temps maintenant. Il va plus se passer grand chose. Tiens, j'ai brisé les murs. Ah, ça va être tentant d'attaquer. Brèche dans les murs, ça c'est plutôt cool. J'espère que ça va. J'espère que j'aurai un bon résultat pour le prochain là, que je vais profiter du bonus de plus 2. 5, putain, c'est tout pourri. Du coup, j'ai plus le bonus de plus 2, j'ai que plus 1. Merde, j'ai pas profité du plus 2 là. Ah, ces deux sièges sont vraiment très 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 longs. 1, le score de dés, extraordinaire. Je crois que je pouvais pas faire pire, il n'y a pas de 0, donc c'était le score le plus mauvais possible. Oh, par contre 13, ça c'était un bon score. Hein. On a fait du plus 2. Là aussi j'ai l'impression, ah non, plus 3. Manque de nourriture, tiens, ça leur fera les pieds. Tiens, je vais prendre ça. Capacité de siège, donc, plus 20%. Je vais regarder, on était sur un cycle de 38 jours. Ok. Et du coup, on passe à 32 jours, on gagne 6 jours par cycle. Donc c'est vraiment important. C'est très très bon à prendre, cette capacité de siège. Du coup, les deux vont... Si je continue à faire des bons scores de dés, là... Ah, c'est parti. Ah, les deux en même temps. Alors, ça, je vais le donner à Hanovre. J'ai pas envie de donner les autres, parce que j'ai peur, en fait, que... Ça se finisse trop vite, là. Septembre. D'ailleurs, j'ai peur que Clèves...
Si c'est bon, ils l'ont déjà légitimé. Celle-là, ils l'ont. Il n'y a pas besoin de la légitimer, donc ce sera bon. Ok, donc on va s'en sortir comme ça. Là, ils n'ont pas le choix. Oh putain, ils sont riches. Ah bah, c'est très très bon ça. Donc, Brunswick, c'est Braunschweig à Hanovre. Et moi, je prends les deux autres. Voilà. Très bien. J'ai pas assez de points. C'était quand même une grosse province, ça, j'ai l'impression. Ce qui est bizarre, c'est cette icône revendication permanente. Ah merde, il est pas légitimé, ça. Ça veut dire que c'est pas légitimé. Merde. Ah, du coup, ils vont pas pouvoir le faire, je crois. Ils auront pas le temps. Alors, l'Autriche, maintenant. Là, ils acceptent pas encore. Je sais pas ce qu'il leur faut. Je sais pas ce qu'il leur faut de plus. On va peut-être attendre quelques mois. Ça m'étonne qu'ils acceptent pas, ceci dit. Je vois pas en quoi ils ont le choix, parce qu'ils ont pas d'autre territoire en fait. Donc ça m'étonne. Ça m'étonne qu'ils leur donnent le choix, qu'on soit pas à 100%. Et on n'est qu'à 99. Alliés en guerre, offre de paix actuelle, durée de la guerre. Ouais. Alliés en guerre. De toute façon, il faut que je me débarrasse. Bon, de la Bavière, ça c'est clair. La Grande-Bretagne, je pense que pour l'instant, c'est mort. Ouais. Bon, bah, je vais accélérer le temps. Il va plus rien se passer maintenant. Là, je vais fusionner mes armées. Hanovre est presque intégrée. Honnêtement, ça va être une très très grosse intégration quand ça va être fait. Ça va booster mes revenus, par exemple, de commerce. Puisqu'Hanovre possédait quand même encore... un petit pourcentage, j'arrive pas à les voir, 15%. Donc ça fera ça de moins et ça de plus pour moi. Ah sérieux, il me saoule. J'attends. Pour ce qui est de la falsification, ça avance là. Ouais, encore 6 ou 7 mois. Alors, ça c'est bien. Les conversions, ça avance. Hein. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été voir l'Autriche. Ah, je pense que le mois prochain, c'est bon. Ça devrait pas tarder. Ah, faut que je referme, je pense, que je rouvre. Allez, c'est parti. Donc, c'est la disparition officielle de l'Autriche. 303 points. Ah putain, je vais jamais y arriver en puissance administrative. Et je peux pas les vassaliser, eux. Ah putain, c'est cher, hein. Ouais, c'est des grosses provinces, forcément. Et y a pas d'autres pays... Je pourrais créer un état client. Je l'ai jamais fait, mais c'est à peu près le même principe que la vassalisation, je pense. On va tester. Donc là c'est bon, je les intègre. Enfin je les annexe. Et j'irai bien créer... Ah bah je me retrouve leader de l'Empire du coup. Mais il n'y a aucune décision de prise malheureusement. Il n'y a pas avancé sur l'Empire. Qu'est-ce que je voulais faire ? Peut-être créer un état client ici. Je peux pas trop libérer l'Autriche. J'ai pas trop le choix. Que je me souvienne comment on fait. J'avais trouvé l'autre jour. Ouais, c'est ici, sauf que... Il faut que je sois en paix, évidemment.
Bon bah il me reste plus qu'à attendre le mois de juillet pour prendre la Bavière. Et puis après je pense qu'on pourra discuter avec Ace assez rapidement. Donc les clercs veulent une province. Ce que je voulais d'abord c'est l'Angleterre. C'est bête l'Angleterre, à chaque fois c'est nos alliés et ils se sentent obligés de nous déclarer la guerre. Ouais, ça coûte cher. Je préférerais dépenser des points diplomatiques, honnêtement. Ok, c'est presque fait pour Hanovre. Et ça, ça va faire plaisir. Hein. On va avoir le droit à d'autres cultures acceptées en plus. Donc là, ça se passe comment? Est-ce que le truc bleu, là, je... Ça veut pas dire que c'est légitime, ça. Je pense qu'il va falloir que je le légitime moi-même, en fait. Ok, donc on arrive au bout. Ça aura été long, évidemment. C'était une grosse province. Alors, la population westphalienne a su prouver sa loyauté. C'est parfait. Tout ça, c'est des westphaliens. Ça fait plaisir, hein. Du coup, dans ce nœud ici... parce que là j'ai pas de navire donc on voit pas très bien, mais on verra quand mes navires seront partis faire du commerce. Là il va falloir que je donne des provinces par contre. Enfin que je donne des provinces. Tiens, celle-là. Claire. Sinon, pour l'autre, dès que c'est une culture acceptée, ça me va. Il va peut-être falloir que j'en donne plus d'une, hein, ouais, parce que... C'est quoi, ça? Ah, c'est mes manufactures, pardon. Je me demandais ce que c'était. Ok. Donc, ça, c'est presque fini. Parfait, je vais pouvoir la prendre. Là, ils acceptent, évidemment, ça fait tellement longtemps qu'on est en guerre maintenant. Annexion totale, ça me coûte pas très cher en puissance diplomatique. Parfait. Et il reste plus que Ace, honnêtement. Je pense qu'ils vont refuser l'annexion pour l'instant. Ouais, largement, hein. Ça va être problématique, cette guerre, elle va être de nouveau très longue à cause de la Grande-Bretagne. Bon, bah, j'ai pas le choix, de toute façon il faut que j'attende. Je peux pas les vassaliser. Honnêtement, ils me détestent trop pour être vassalisables. Donc il faut que j'obtienne la paix séparée avec la Grande-Bretagne, et ça c'est pas gagné. Bon, bah j'ai plus qu'à passer le temps. Je vais pouvoir, je pense, détruire des forts, là. Genre celui-là. J'en ai pas besoin. Celui-là. Ok. Celui-là. Tout ça, ça va me coûter cher en maintenance. Je vais garder ceux qui sont un peu plus près de la France, là, ces trois-là. Mais tout ça, là, par exemple, ça me sert à rien. Ils étaient gros, hein, pourtant. Celui-là, il peut me servir, par contre, pour empêcher les... Pour empêcher le passage par la Scandinavie, là, mais... Les autres, là, me servent plus à rien. C'est dommage. Ils ont blindé... évidemment, chacun avait son petit pays, donc chacun se blindait. Mais maintenant qu'on a tout unifié, c'est différent. On n'a plus besoin de tout ça. Je suis obligé d'arrêter la vidéo, malheureusement. Je vous laisse... Et je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour la suite de ce Let's Play.